Nous avons réussi à fabriquer notre premier micro-drone et il est officiellement mignon à croquer. J'ai décidé de l'appeler Sébastien. C'est le moment de s'infiltrer chez Tidys. Et de priver Nigel Cass de son nouveau jouet. Le projet Témis. Je sais pas si je peux rentrer par là. Comment il a trouvé ce nom? Ça veut dire quelque chose? Ça vient de la mythologie. Témis était la déesse grecque de la justice divine. Vous savez, la dame avec l'épée. Ouh, c'est classe comme du Nigel Cass. Mais quoi? Ça ne sert pas qu'à apprendre à se sentir exclu. Trouvez les plans du bâtiment et je pourrai déterminer l'emplacement du projet Témis. Mais quoi? C'est bon. Attends, mais d'où? D'où il met son casque de kéké en plus que... Pourquoi il peut pas enlever son masque de merde là? Indisponible. Mais frère, on est dans l'hôpital. Vu le masque que j'ai, c'est un peu normal qu'ils ont des doutes sur moi. Hein. En plus, c'est au-dessus. Mais d'accord, là, ça enlève la tenue. Bah ouais. Je comprends pas, on est à l'hôpital, là. Mais d'accord. Ah non, c'est chez Tidys. Ah bah non, mais on n'est pas à l'hôpital. Pourquoi tout à l'heure, j'étais à l'hôpital, moi? Peut-être pas la même mission en fait. C'était où l'hôpital? C'était là quelque part là. C'est pour ça en fait, c'est pas le même. C'est pas grave, on reste sur la mission principale. Je prévois mes arrières. Ça aurait été trop simple. C'est quoi que je voulais télécharger? Ah merde, il s'est barré du coup. Fais chier. J'ai fait pire que bien. Non, 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 mauvais bouton. Faut que je contrôle un arachnopote. Tu vois. Ah, ils ont réactivé le truc en bas, fais chier.
Putain, tu vas pas. C'est pareil, il faut toujours la clé. Madame, avez-vous vu le rapport Témis ? Absolument, avant même que je ne vous affecte au projet. Je sais donc très bien de quoi il retourne. Alors vous avez conscience des problèmes éthiques qu'il pose ? Témis enfreint une douzaine de lois au bas mot. Elle ne s'applique plus désormais. Je suis là-bas. Alors, vous n'êtes pas au courant ? La loi martiale a été décrétée. Non, Témis dépasse le cadre de la loi martiale. C'est une véritable épée de Damoclès qui pèse sur nous. Bon, vous avez deux possibilités. Garder votre poste ou pointer au chômage. À vous de choisir. Trompette bouton. C'est quoi ce truc? Albion assurera votre protection, quel qu'en soit le prix. On perd deux temps, ça sert à rien. Comme par hasard. Merde. Toi, tu mets un coup de pied dans les couilles, c'est une meuf. Pas sûr que ça serve à quelque chose. Je cherche un truc qui porte le nom Témis. Bien reçu, je m'en occupe. Si je voulais cacher un projet de drone top secret et moralement douteux comme Témis, ce serait dans la salle sécurisée du dernier sous-sol. Cependant, la sécurité ne plaisante pas. L'ascenseur qui conduit à la chambre forte abritant Témis est verrouillé. Pour l'emprunter, vous devrez accéder au terminal manuel. Et pour cela, il vous faut un arachnobot. Putain, les arachnobots sont tout en haut, je peux pas changer. Fait chier, ils étaient vers où? J'espère que j'aurai une bonne portée, hein, parce que ça fait un peu loin quand même. Putain, je peux juste les désactiver. Du coup.
Il est où mon petit robot? Putain, il y a des munitions là-bas. On va se servir un peu. Mais... Il est où le petit robot que j'ai lâché là? Ah, il est là. Hop. Maintenant la position actuelle. C'était quoi ce bruit? Genre voilà, Assassin's Creed. Le pauvre drone, il se fait désactiver H24, quoi. Vous devrez utiliser Sébastien et les autres micro-drones pour déjouer la sécurité. Mais d'abord, il faut dépasser ce dispositif laser. Je vous suggère un arachnobot et des nerfs d'acier. Bien reçu, je m'en occupe. Pas de madé. Je sais pas pourquoi il dit des nerfs d'acier, mais... Ça craint du boudin, je te le dis. Je suppose que ça va être compliqué à monter en haut. De notre mieux, me direz-vous. Certes, mais ce n'est pas encore suffisant. Non, ça va pas, ça. Nous ne sommes pas parfaits. Bordel, t'as vu les lasers en dessous. Humilité, tout ça. Nous sommes des humains et nous faisons des erreurs de jugement, mais l'erreur n'est plus permise. Ah ouais. Nous seuls pouvons protéger le peuple. C'est dans quel film qu'il y a ça, là? C'est pas dans Resident Evil. La justice et de votre sécurité. Il s'appuiera sur des données pour prédire chaque crime. Il comblera les failles de notre propre nature. Pas mal. Ils auront des questions. C'est une mesure extrême. Ah. La porte ouverte à tous les abus. Mais mec, j'y vais YOLO, quoi. C'est de ça dont Londres a besoin. Yes, bonne nuit, Haro. Merci d'être passé. Des bisous. Oh non ! Tout personnel non autorisé est prié d'évacuer le périmètre. Oh non ! Oh, ça va être casse-couille. Oh, yalla ! Oh putain. J'ai pu réussir, hein. Oh là là, ça va finir comme Crash Bandicoot, ça. Non, il y a un endroit, c'est easy, quoi, du coup, à passer. Ah, voilà, voilà. Si je me jette dedans, ça va pas aller, hein. Bah, ça promet. Ça promet. Merde. Oh, le bolos. Pourquoi je reviens sur mes pas? Oh mais ça va être trop chaud! Comment j'ai fait tout à l'heure pour passer?
Il sent trop le truc le bazar. Il sent trop. Mes frères. Protocole de confinement lancé. Comment j'ai fait tout à l'heure? Tout à l'heure j'étais en mode YOLO et j'ai rien vu. Oh putain, j'avais tempo le truc. Je suis deg. J'avais tempo et j'ai loupé. Non, putain, trop tôt. Protocole de confinement. Oh, mais putain, puis après j'ai appuyé sur B. Oh. Mais le pire, c'est que je reviens sur mes pas en fait. Non, oh. Je pensais qu'elle allait repartir à droite. Ah, oh, je vais galérer, je sais pas pourquoi. Dommage, j'aurais cru que ça aurait passé. Alerte intrus. Ça va être chiant, ça va être chiant. Il y a un total là. En fait, faudrait que je passe au-dessus. Ouais, maintenant. Ah. Tu imagines, t'aurais fait ça pour rien, tu sais. Ok, Sébastien, c'est le moment pour lequel toi et tes amis vous êtes entraînés. Fais sauter le système de sécurité pour papa. Voyons un peu comment ces petits drones s'en sortent. Ouais, j'attends que ça. Ça devrait être mortel. Ah, wow. Apparemment, il faisait chaud. Bon, pas le temps de pleurer. Voici Sébastien, un autre de nos nombreux micro-drones alliés. Ils s'appellent tous Sébastien, naturellement. On ne peut pas itérer la perfection. Déjà, tout à l'heure, j'avais perdu une masse de vie, là. Je sais pas ce que les traits blancs en bas, c'est la vie du robot, mais... Aïe. Mais quoi, je le touche pas. Je sais même pas où il faut aller. Frère, je sais même pas où il faut aller. Je sais même pas où est-ce qu'il faut aller. C'était en bas à droite. Hein? Bah j'ai pas vu ça moi. Mais regarde, c'est après j'ai la technique. Regarde, regarde mon plan de vol. Zi.
En bas à droite, tu dis. Ah ouais, là, là. Mec, tu peux pas tester. Putain, c'est juste ici. Hein. Quelle est donc cette arnaque ici, là? Non, non, mais arrêtez de me pousser un peu. Voilà, j'avoue que mon plan de vol est un peu dérouté. Oula, là, c'est un genre de truc que j'aime pas, ça. Putain, j'ai quasi plus de vie. Putain, le pire c'est que si je meurs, je dois tout recommencer. Oh là, oh là là. Où est-ce que je dois aller? Ok, au-dessus. Oh les bâtards. Sans double cycle. J'hésite à y aller, je me suis dit, je vais me faire arnaque, je vais crever, je vais rien comprendre. Sans l'arnaque arrivée là. Tu vas même pas voir quand ça souffle plus. Attends, mais c'est vraiment des tout petits ordinateurs en fait. Suis le circuit de cuivre. Ah ça va. J'ai besoin de tout recommencer. Je comprends pas pourquoi en haut à droite ça me met des notifications. J'ai pas fait gaffe si c'était Uplay ou quoi. Les notifications parce que ils sont tous désactivés, je comprends pas. Yolala. Comment je te le rush le truc? Il y avait des tuyaux à suivre en derrière. Ah bon? J'ai pas fait gaffe. Ouais, là, ici à terre. Là. Ah ouais. Bah non, pas plus. Regarde, Ubisoft Connect. Mais mec, je comprends pas. Les notifications sont désactivées dans l'application. Et j'ai toujours les notifs. Alors là, tu vas me dire, ouais, faut suivre les tuyaux, là, peut-être. Là, peut-être. Peut-être suivre comme ça. Comme ça. Bon, je récupère toute ma vie quand je meurs. Oula. Bah écoute. C'est mission impossible le truc.
Elle était bonne, voilà. Mais clairement, mec, t'as fait le jeu en fait, l'avoue. Ah, ça brûle. Ah, ça brûle. Ouh là là, ça va brûler. Ouh là là, ça va être Bagdad Party ici. Ah, non, 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 non. J'ai toujours envie. Voilà les noyaux. Détruis-les, Sébastien. Et pour l'amour du ciel, fais attention. En fait, t'es carrément dans un système, là. C'est sûrement pour désactiver les lasers, t'es sérieux? Papa est très fier de toi, Sébastien. Oh, je disais donc, vous devriez maintenant pouvoir accéder à la salle du projet Témis. On va lui pourrir sa journée à Nigel. Oula. Ça a l'air d'être un gros drone, par contre. Alors, on est au cinéma. Londres, jadis un bastion de civisme, aujourd'hui réduit à une zone de non-droit. L'homme n'est plus à même d'être sa propre police. Heureusement, nous n'en avons plus besoin. Bienvenue dans le projet Témis. Albion a réussi à mettre en application un système préexistant, LifeScore, un registre de données biométriques et d'informations personnelles à nos nouveaux drones autonomes. Ces drones pourront ainsi identifier, isoler et éradiquer toute menace avant même qu'elle se produise. Ils peuvent s'infiltrer partout, voir absolument tout, et éliminer un homme seul dans une ruelle ou noyé dans une foule avec la main. Ah, on l'a vu tout à l'heure, ça. Les drones Témis feront ce que les hommes se sont toujours refusés à faire, agir avec fermeté et sans état d'âme. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure à la réunion. Avant de me barrer. Qu'est-ce que tu veux dire, Amish? Tu sais comment Témis fonctionne? Non, pas du tout. Enfin, si... ils ont repris la même idée qu'ils avaient fait dans le 2. Dans le 2, c'est pareil, on avait bossé sur un algorithme et on avait récupéré quelqu'un parce que, justement, ils savaient comment il marchait. Mais bordel. Donc, en théorie, Témis pourrait être programmé pour cibler n'importe qui en fonction de n'importe quel paramètre. Exactement. Il n'y avait pas une histoire comme ça dans le 1 ou dans le 2 ? Je crois que dans le 2, il y avait ça. Malade. On doit intervenir. Et je sais comment. En supprimant les données de LifeScore, on grille Témis. Eh merde. Ok, c'est bon. Je suis sûr qu'il y avait déjà une histoire comme ça. C'est bon. Oui, nous nous jetterons des fleurs en plein visage un peu plus tard. Dépêchez-vous de sortir. C'est là que ça va être floclo, je sais pas pourquoi. Ah bah non, on est déjà sorti. Tant mieux.